Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Gabi. Me revoici pour une petite lecture. Donc, on va regarder un petit peu les énergies qu'il y a autour de nous. Donc, je t'invite à penser très très fort à la personne de ton cœur. Et puis, on va regarder ce que je peux te dire. On y va. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas aussi à aller à ma seconde chaîne où je vais poster des vidéos. Vas-y, hein, c'est une chaîne de secours, sait-on jamais. Voilà, allez, on y va. La personne de ton cœur. Le soutien. Le soutien. J'ai la sensation ici que c'est une personne qui a besoin d'aide. Il a besoin d'une connexion, peut-être spirituelle. Il a besoin d'une connexion. Il a besoin de savoir des choses. On peut avoir quelqu'un ici qui a besoin d'une protection, hein, sur une transformation peut-être qu'il est en train de vivre. Ok, donc on voit ici que cette personne à qui tu penses, à qui tu tiens, c'est une personne ici qui cherche à être soutenue. D'accord? Peut-être une d'ordre spirituel. Hop. Allez, on va regarder ce qu'elle aimerait te dire. Waouh, très joli. Je te laisse déjà regarder. C'est vraiment très très beau et on parle ici de flammes jumelles, d'une passion qui est puissante ici, d'accord? Donc cette personne, quoi qu'il se passe, est quand même quelqu'un qui a envie de te dire que tu es importante, d'accord? Que tu es sa flamme jumelle. Hein, je sens bien quelqu'un aussi qui peut avoir du chagrin, qui peut avoir des choses un petit peu. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ça, on l'a déjà eu hier, hein, je crois bien. Alors, on va regarder. On va regarder autre chose. Allons-y. La personne du cœur. Oulou, bah dis donc. Alors, tu vois, on a déjà ce qui est retourné. On a la féminine et le retour. Et on a un masque de contrôle. Ça fait beaucoup. Hein. On peut sentir ici quelqu'un qui contrôle. Hein. D'accord? Alors, tu veux me garder près de toi. Je n'arrive pas à me passer de toi. Donc, tu vois, on voit bien qu'il y a un retour dans cette histoire entre l'empereur et l'impératrice. Allez, on va en prendre. On va essayer d'en avoir qu'une. Alors, ce serait bien pour la personne de ton cœur. Comment ça se passe? Hop, et bien ça sera deux, hein. Pardonne-moi. C'est une personne ici, je pense, qui a besoin de faire la paix avec toi. Hein? On voit le mea culpa. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la connexion et la protection. Je sens ta présence. Bon, il y a quand même une belle connexion d'âme ici, hein? Vraiment, hein? Bon, je pense que cette personne a des peurs. Peut-être que cette personne, ouais, et se défend. On sent quand même quelqu'un qui se défend. Mais il y a la connexion d'âme, hein, tu vois. On voit quand même que, voilà, il y a une alchimie, hein? Je vois comme, par exemple, tu sais, le fil rouge là, hein? Cette connexion d'amour. Qu'on a, ça me fait penser aussi à cette liane ici, hein, aussi. Puis cette carte ici, flamme jumelle. Bon, bah écoute, oula, la réalisation des souhaits et on a attendre son heure. Donc voilà, hein, on patiente ici, hein, que ce soit des deux côtés. Je pense qu'on attend patiemment qu'il se passe quelque chose ici. On peut réfléchir, hein, être dans une sorte de réflexion à savoir comment on va faire pour réaliser nos souhaits, comment on va faire pour sortir peut-être de ce truc affectif là.
choisir avec sagesse. En ce moment, elle sort beaucoup, hein. Je sais pas ce que t'en penses, elle sort beaucoup. Je pense que c'est une histoire aussi de matériel, peut-être au niveau ouais, matériel, financier, de faire les bons. Ouais, c'est peut-être aussi pour une impératrice ici, où tout ce que tu cherches à faire dans le au niveau professionnel, au niveau matériel, essaye de voilà, essaye de voir le mieux, quoi. Hein. Mets tes billes dans le meilleur panier, c'est ça. Choisis avec sagesse. Elle, ouais, ok. Donc ici, on nous parle de vérité, de commencement, de recommencement, hein, de nouveau départ, de reconnaissance. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a une sorte de réveil, hein. On a notre clairvoyance qui nous permet aussi de savoir où on doit aller, où on ne doit pas aller. On te dit ici, c'est le résultat de tout ce que tu as prévu, hein. Tu vois, c'est la victoire ici. Pourquoi? Parce que je pense que tu as été quelqu'un d'assez assez aimante, d'accord? Et c'est pour ça qu'on te vient en aide. Et maintenant, la personne de ton cœur. Fondation solide. Et nous avons ici l'union spirituelle que j'ai vraiment envie de prendre. Donc, la fondation solide et l'union spirituelle. Est-ce qu'on n'est pas... Est-ce qu'on... On n'a pas des... Comment dire? Parce qu'elle est à l'envers, donc j'ai envie de te dire que peut-être on n'est pas vraiment ensemble, mais que... On peut être ensemble, hein, mais que peut-être en ce moment c'est bancal. Mais si on remet les choses au clair, hein, si on se reconnecte au niveau spirituel, les fondations seront solides, d'accord? Parce que la quatre de bâton, c'est quand même des joies, des triomphes au top, quoi. Donc, voilà, je pense qu'il faut peut-être se prendre la tête au niveau positif. Des fois, il y a des prises de tête qui sont positives, c'est pour aller au mieux. Ok. Et qu'est-ce qu'il ressent un peu pour toi? Pour toi. La roue de fortune. Bon, écoute, ça c'est plutôt très positif, hein. Ici, on t'annonce des changements si tu passes à autre chose. Parce qu'ici, on dirait que tu n'as pas envie de passer à autre chose. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, tu peux me dire en commentaire. Alors, moi, je vois qu'il y a une union spirituelle, il y a de l'amour, donc j'arrive à comprendre. Qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit aussi de penser à toi, à ta récolte. D'accord? De penser aussi à ta récolte. J'ai quand même les besoins, j'ai quand même les besoins, j'ai quand même besoin d'aller regarder ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus. D'accord? Je vais regarder ce qu'on nous dit de plus. Hop. La personne de ton cœur. Un changement, un déplacement et une personne qui est remplie d'amour quand même, hein? Quelqu'un qui a des forts sentiments, qui est passionné. C'est un petit loulou, tout choubidou, hein, d'accord? Mais bon, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir ici au niveau financier. D'accord, c'est bien ce que je pensais. C'est une personne qui, je pense, quand même, qui est un peu pas radin, mais quelqu'un qui a peur du lendemain. Donc, vu que c'est quelqu'un qui a peur du lendemain, eh bien, il va faire des économies sur son argent. Même au détriment de toi. Mais toi, mon impératrice, par contre, hein, une femme ici, il y a beaucoup d'abondance qui arrive, d'accord? Vraiment. Et même les nouveaux projets qui arrivent à toi, parce que tu peux avoir ici des nouveaux projets qui arrivent, qui vont te donner une grande victoire. Peut-être qu'il va falloir te déplacer, peut-être qu'il va falloir voyager, mais est-ce que tu vas le vouloir? Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur ça? Donc c'est un homme ici, un homme de cœur quand même. Et ouais, c'est ça, c'est une histoire aussi d'argent. C'est quelqu'un qui a aussi envie de réussir. On voit ici un homme qui a envie de quelqu'un, une femme de cœur, une femme de cœur, qui a des projets vraiment, des projets d'avenir, des choses très 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 importantes, des lourds projets, j'ai envie de te dire, hein.
Mais là, on voudrait parler de la personne du cœur. Donc, cet homme ici, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Oui. 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 Donc, cette personne-là, à qui on pense, il peut y avoir des choses un peu compliquées autour de lui. Il peut y avoir une femme qui prend des renseignements. Une femme un peu, on voit des personnes un peu qui épient. Et peut-être que ça bloque un peu ses souhaits. Hein? On veut nous dire ça. Donc, il y a cet homme aussi, je pense, qui va prendre des décisions au niveau financier, au niveau de son abondance, pour réussir, hein, parce qu'il y a des décisions à prendre, on nous dit ici. Hein. C'est clair. Ok. Ouais, il y a vraiment. C'est ça, c'est une histoire que pour réussir, il va falloir prendre des décisions. Il faut qu'il réfléchisse avec, voilà, avec son mental. Hein. Cette union spirituelle. Un retard. Des blocages. On peut même parler ici de rupture. Ok. C'est un être quand même amoureux, mais peut-être qu'il n'est pas très mature, en fait, on nous dit ici. Hein. C'est une personne qui rêve quand même de te visiter. Ouais, clairement, hein, c'est une personne qui rêve de te visiter. On te parle ici de visite, de nouvelles. C'est une personne qui va te parler de grandes choses. Hein. Il y a des vérités à la maison. Peut-être non, peut-être à l'extérieur de la maison. Une visite, une rencontre à l'extérieur de la maison. Autour de cette personne, il peut y avoir de l'ennui par rapport à un jeune homme. Peut-être au niveau du travail, quelqu'un qui sent un peu, peut-être que dans son travail, à l'endroit où il se trouve, il se sent un peu emprisonné, tu vois, il n'est pas bien dans sa tête, quoi. Ok. Ouais. Il a besoin de sortir d'où il est pour pouvoir. Il y a beaucoup de monde, hein, pour pouvoir réaliser ses souhaits, ses rêves. Ok. Donc, on y est, on est bon. Je continue, choubidou. Ok. On va regarder un petit peu plus. Ah, ok, bon, bah écoute, on te dit qu'il y a des grandes vérités qui arrivent, des grandes joies en fait, hein, véritablement, des grandes joies qui arrivent pour toi et cette personne. On nous demande simplement ici peut-être de se reposer. Waouh, on a une grande protection aussi, on a aussi une grande intuition en fait, hein. Et on a vraiment une passion enflammée ici. C'est un nouveau commencement. Je pense qu'il y a des vérités qui arrivent et beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de vérités. Hein. C'est ça. Il y a une connexion d'âme, d'âme à âme. Et en fait, c'est vraiment au niveau médiumnique, au niveau des ressentis. On sent que c'est une passion qui dévore ici. C'est à l'intérieur de nous. D'accord? Je vais prendre une pour ce nouveau commencement. Waouh, l'espoir. Hein. C'est une personne ici qui garde espoir, tout simplement. Je pense qu'il y a quand même des peurs. Hein. Il y a quand même des peurs d'aller de l'avant. C'est clairement ça. Hein. On a peur, mais il y a quand même. Regarde tous les chakras là. Il y a quand même une histoire que tous les chakras sont presque alignés, j'ai envie de te dire. Hein. Voilà. Il reste peut-être quelques petits fragments au niveau mental, mais rien de grave parce que nous avons ici le chakra sacré. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a quand même des choses à régler, des choses qui font peur, des choses qu'on n'arrive pas à dire, mais il faut tenir bon. Donc, véritablement, je pense qu'on est vraiment, regarde-moi ça, on est à la porte de l'alignement parfait des chakras, quoi. Hein? Voilà. Il faut peut-être juste régler un petit peu ici au niveau mental. Peut-être que cette personne réfléchit, peut-être que cette personne doit avoir des craintes, des peurs. On ne peut pas savoir et on ne peut pas trop juger.
On va essayer d'avoir autre chose. La personne là concernée du retard, hein. C'est véritablement ce qu'on nous dit, mais ça n'empêche pas d'avoir beaucoup d'amour. Et c'est ce qui nous tient en forme, hein. Oui. On peut voir aussi d'autres choses, hein. Pour les petites jeunettes, voilà, hein. Amour, docteur, tu vois, prise de sang et compagnie. Et c'est parti pour 9 mois et t'as un cadeau, hein. Donc voilà, et ici on nous dit ça, hein, pour certaines personnes. J'ai envie de mettre la lumière bien dessus. C'est très beau. Alors, on a des accusations sur notre bonheur. Ok, allez, on va se concentrer sur la personne de notre cœur. Parce que des fois, il y a des petits messages qui passent pour des personnes qui sont là. Voilà, c'est comme ça, hein. La personne de notre cœur, on va regarder un peu. Alors, bon, il y a quand même quelque chose qui doit prendre fin ici. On a l'amour et on a les réunions. Donc, je pense que c'est une sorte de blablatage qui doit y avoir autour de cet amour qui doit prendre fin, hein, pour la santé. C'est véritablement ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur la personne de notre cœur? On va regarder un petit peu cette union spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette union spirituelle? Ok. Des paroles, ça discute, il y a des compromis à avoir par rapport à de la jalousie. Bon, cette union spirituelle, je pense qu'elle est un peu compromise par rapport à des trucs de jalousie, un peu, tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein, on va regarder avec celui-ci, qu'est-ce que je peux te dire, hein, sur cette jalousie. Ça craint, excuse-moi le langage, mais bon. Voilà, hein, c'est des choses un peu pas cool, hein. Beaucoup de bagarres, peut-être concernant mon impératrice. Voilà, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici sur tout ça? Alors, le monde, waouh, ben écoute. Là, ce qu'on veut nous dire, c'est que ça parle ou que ça ne parle pas, la destinée, elle arrive quoi qu'il en soit. Hein, d'accord? Parce qu'ici, on parle de quelqu'un qui arrive. Et puis alors, on a le soleil, donc c'est trop beau. On a quelqu'un ici qui arrive pour la réalisation des souhaits. Et puis en plus, c'est une réalisation des souhaits comme jamais ici. Hein, d'accord? C'est quelque chose qui est trop lumineux. On a le soleil, on a le 10 de Pentacle. Donc, c'est un accomplissement sur tout. C'est un accomplissement sur tout. On peut même ici avoir des carrières internationales, d'accord? Des carrières, des vraies carrières de fou malade. Il y a peut-être, possiblement un empereur, cet empereur, cette personne qui est trop dans le mental. Comme je t'ai dit, je pense qu'il a peur du lendemain. Il a peur au niveau financier. Il a peur. Hein. Il y a quelque chose qui coince avec l'impératrice au niveau d'une construction. Hein, d'accord? Peut-être au niveau du travail, parce que lui, il est en retard. Je sens qu'il est en retard, mais on ne doit pas s'inquiéter parce que le soleil se lève pour tout le monde. Voilà. Et il y a ici une transformation qui s'annonce. Donc, pour réussir, pour toucher la lumière, il faut aussi voir l'obscurité. C'est ce qu'on dit ici à notre empereur. Hein. Alors, bon, ben voilà, il y a une femme. Donc, peut-être une femme, soit tu dois prendre des décisions le concernant, soit il y a quelque chose avec l'empereur et une tierce personne. Et on a la flamme jumelle à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va peut-être aller regarder, les laisser comme elles sont et regarder un petit peu ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Analyser. Ici, on attend des résultats. On attend des résultats de ce qui, d'une chose. Bon, c'est peut-être pour ça, cette carte, en fait. Hein. Peut-être que cette carte n'a rien à voir. Peut-être que cette carte a à voir avec ça. Véritablement. Donc, il y a beaucoup de jalousie dans cette histoire. Voilà, c'est pour ça en fait que cette carte, la fondation, elle était à l'envers. Il y a beaucoup, beaucoup de jalousie. C'est pour ça qu'il est dans le mental. Et on nous parle ici qu'il faut, bah, il attend des résultats. Bon, d'accord, déjà, on peut te dire ça. Moi, je te propose qu'on regarde à la prochaine vidéo pour que ça ne soit pas trop long et que ça ne coupe pas à mon nez. Hein, d'accord? Donc, prochaine vidéo, on va regarder un petit peu ce que je peux te dire par rapport ici à cet empereur, cette tierce et cette flamme jumelle à l'envers avec
la transformation ici, comme s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas louper. C'est un changement, c'est une nouvelle étape. D'accord? Voilà, je te fais des gros bisous. N'oublie pas que tu es à la bonne place et tu me suis pour le prochain épisode. Je t'aime très fort.